Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Madness Production en compagnie d'un Dark Aeon qui est claqué. C'est pour ça que le live commence maintenant et pas à 18h comme hier. Parce que je suis toujours encore en train d'émerger. J'espère que Assassin's Creed Syndicate arrivera à me faire sortir de ma léthargie parce que je dois vous avouer qu'actuellement là je suis au ras des pâquerettes. Hein. Mon cerveau il marche au ralenti. J'étais presque à me dire que je ne ferais pas de live ce soir puisque j'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Là, j'ai la force de rien. C'est incommensurable. Ah, heureusement que demain matin je commence pas à 6h mon boulot. Parce que sincèrement, ça me tue. Enfin bon. Voilà, on va faire donc. J'avais prévu peut-être de faire 3 heures aujourd'hui, peut-être pas que j'arriverai à tenir les 3 heures. Je vais faire déjà 2 heures et on verra si j'étends une demi-heure de plus. On verra. Parce qu'on va pas se mentir qu'actuellement, là, c'est pas envisageable là, actuellement, voyez-vous. Enfin, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une agréable soirée, journée, où vous regardez ce live, cette rediffusion, cette VOD, bref. Au moment où cela vous convient le bien et où vous êtes bien installé dans votre canapé slash lit slash hamac. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Qui a dit qu'on ne pouvait pas regarder des vidéos en hamac? Hein? Hein? Entre deux cocotiers, sur les plages de sable blanc, à Bora Bora. Ou à la maison aussi. Et hamac maison, c'est pas mal ça. Ah, j'ai jamais voyagé au-delà de l'Écosse. Hein. Calmez-vous. Je ne suis pas assez riche que ce que vous croyez. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Salut moi. Mon voyage le plus lointain, donc justement outre-mer, c'était l'Écosse. J'étais allé, je crois, jusqu'au Portugal une fois. Mais je suis même pas allé à l'Est. J'ai même pas pu visiter l'Allemagne ou l'Italie ou la Suisse. Donc non. Donc actuellement, non, ne, voilà. Vous cassez pas la tête. Bon. Avec tout ça, où que nous en étions? Putain, j'ai été frappé pendant un dixième de seconde à admirer ce banc. J'ai fait... Putain, il est beau ce banc. Ah, par contre c'était moche, c'est ce petit moment bug de texture où mon pied traversait le pavé. Ah, voilà, ça marche une fois sur deux, mais quand même. Putain, pendant un instant j'étais saisi, j'ai fait... Putain, il est beau ce banc. On va dire à quel point je suis claqué. Bon alors attendez, il me reste combien? 2 heures. Alors planifions les 2 heures d'expérience, parce que là il nous reste littéralement 2 heures pour utiliser l'intégralité de notre bonus, donc autant l'utiliser à son maximum. Ce qu'on va faire, ben, je vais vous dire ce qu'on va faire, c'est très simple. On a trois objectifs prioritaires en tête. Le premier, c'est celui d'explorer, enfin de faire des missions secondaires comme celle-ci. Ned Wynert, j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça va me donner, en plus comme j'ai lu son histoire, j'ai très envie de savoir ce qu'il vaut. Ce fameux syndicat du crime, faire cette petite mission pour Monsieur Arthur Conan Doyle, Mr. Arty. Ah oui, j'ai très envie de faire ça. Une petite chasse aux fantômes, le Ghostbuster Story avec lui. Mémoire de Karl Marx. Mais il y a tellement de personnalités énormes dans cette époque. C'est pas sérieux, on va pas croire. On a croisé Arthur Conan Doyle, on a croisé Darwin, maintenant on va croiser Marx. Ah, l'idole des communistes, mon dieu. On a croisé Dick. Il y a trop de monde important dans cette période, c'est incroyable. Bon. Calmons-nous. On va faire donc Ned Wynart. On va commencer déjà par lui. Je pense que c'était un bon départ. Ned Wynart, et après, on fera l'enquête. Puis on ira chercher à Whitechapel les lettres mortes de Dickens. Puis on ira voir Marx
Le chat et la souris. Putain, je sens que lui, ça va être un. Ah, ça va être un phénomène, cet homme! Je le sens! Ça va être quelque chose. Aujourd'hui, on va aller voir le communisme da mein Brethren. On va aller voir celui qui a inspiré. Celui qui a inspiré la camaraderie pour sauver Anastasia. Ah, non. Je me demande sincèrement si on va avoir des cours de marxisme avec, des cours de communisme avec lui. Genre à chaque fois qu'il apparaît, c'est vous savez que l'éligibilité du peuple est à prédominer sur la notion de. Oh mon Dieu. Je ne suis absolument pas objectif. Ceci va devenir une blague. Une blague, je vous le dis. Ah, pas du tout. Désolé. En plus, dans l'époque industrielle, qu'est-ce qu'il fout à Londres, cet homme, en plus? Sincèrement, qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, c'est l'industrie, c'est. Ça, c'est le capitalisme. Je suis désolé. C'est pas son époque. Le mec est né à la mauvaise époque. En même temps, c'est lui qui a lancé son époque. Hop là. Allez, on glisse. Putain, le. Ils ont une idée de génie de créer de créer ce truc. Sincèrement. La tyrolienne, c'est. Ah, c'est l'outil indispensable de l'explorateur de l'île. Et hop là. Tu gagnes un temps fou. Nom de Dieu. Alors, attendez. Je me dirige comme ça, mais je vais où en fait? Ah, voilà. Ned Wineheart, qui que c'est que donc quoi donc où? Parce qu'il est venu nous voir un jour. Enfin, elle. Enfin, il. C'est compliqué parce que il est né elle, mais il a décidé de se faire passer pour il pour faciliter ses activités. Donc, c'est elle ou c'est il? D'ailleurs, question. Monsieur Ned. Cher Ned. Avec qui est-ce que je vais devoir vous jouer? Non, parce que on a très vite compris que pour les histoires de fantômes, il faut clairement la demoiselle. Pour les enquêtes, pareil, c'est la demoiselle. Je pense que le syndicat de crime, ça va être monsieur. Ça va être monsieur. Je pense pour le syndicat, ça va être monsieur. Il va se faire perturber par Ned. Je suis sûr que ça va le choquer. Je suis sûr qu'il va être en mode, mais vous êtes une femme. But you're a lady. Et il va se faire rouster, Jacob. Aïe, aïe, aïe. Ça t'apprendra à résister à Edward. Non, 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 je ne fais pas une référence à un film, à une trilogie, une série de films qui a martyrisé une époque et a créé une quantité de fangirls infinies qui ont perdu tout sens logique et commun parce qu'ils ont vu les pectoraux d'un homme sous la pluie. Absolument pas. N'est pas une référence obscure. Absolument pas. Donc. Ned. So, my dear, who the fuck are you? Why did you present to my train with a visit card? I knew you'd show. My warmest welcome. It's our business to keep London in balance, monitoring shipments by road, sea, and rail. Our biggest problem, the blighters. If you could rid us of them, I'd be ever so grateful. It would make London safer. You find anything that sparkles, it's yours. I do love a bit of sparkle. I do love sparkles. Ouais, donc c'était bien une mission pour Mister Ned. D'accord, et c'est tout? Y'a pas une. Genre. Oh! 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 Excusez-moi, je m'extasie, je comprends enfin. D'accord! Il fait pop d'émission! D'accord, on va en faire une, tiens, on va tester! Ah oui, on va expérimenter! Ah, bah, je veux découvrir, moi! Qu'est-ce qu'elle nous a fait pop, Miss Ned? Vol de cargaison!
Étrangement, ça sonne intéressant. On va y voir un petit peu tout ça. Ok. 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 Voler une cargaison et porter-la anonymement à destination. Très bien. Mais ils sont dangereux, hein. C'est des level 6, hein. Débarrasser d'abord des menus fretins, ça m'aidera clairement à régler la situation, enfin à pouvoir m'échapper avec la cargaison rapidement. Société civilisée, tu dis? Ouais, je suis pas sûr de ton coup. Merde, commence à pleuvoir. Patientez un peu. Stop right there, you little thief. I caught you stealing. Right. No, that's not my ears playing tricks. Eh merde. Je le savais. Eh merde. I knew it. Sorry. I'm taking this. My apologies. Damn you, little bastard. Get the hell out of my way! That's the way. Hop là. Bouc. Yeah.
Oh! Et voilà! Bien le bonsoir, Darfou! Ça va bien, toi? Et voilà! Ouais, c'est intéressant ce petit truc, une petite mission comme ça de temps en temps, de... Petite mission détournement. Mais là, pour le coup, j'ai merdé, hein. J'ai pas réussi à me débarrasser des trois derniers. Dommage. J'avais tout pour réussir, mais... Ah, c'est intéressant ces petites missions comme ça. En plus, bon, c'est des missions uniques, donc une fois que tu les as finies, bah t'as fini la zone. Il y en a à peu près 3 par zone, parce qu'il y en avait une ici. Ouais, ça fait 3. Encore là, c'est du détournement maritime en plus, ça a l'air... Non, mais ça a l'air d'être fun, je trouve ça fun. Personnellement, à expérimenter. Voilà, on va pas les faire toutes ce soir, parce que là, on a fait juste l'expérimentation. Nous, on va se concentrer sur, bah, les missions que j'ai déjà détaillées, plutôt. Mais bien, tant mieux, tant mieux. Meilleur, c'est la santé. Je commence à avoir pas mal de points, là, on est en tendance. 7 points! Ouh, il y a du potentiel. Alors, frappe initiale. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Mais il n'y a pas quelque chose qui serait plus intéressant. Ça vaut encore 2, ça, encore. Pareil, ça vaut encore 2. Donc ça vaut 2, c'est viable. Ça veut dire que j'ai 3 compétences là, que je peux m'acheter. Mais ça vaut 4 quand même après, ces compétences. Voyons voir un petit peu des compétences de niveau 4, parce que s'il faut, ce serait plus intéressant. Accélère la reconstitution de santé, ouais. Les ennemis qui vous voient pour vous livrer à une exécution prennent peur, ce qui les prive de leur posture défensive. Oh, c'est pas mal. Les attaques réussies de Jacob amènent nettement plus rapidement les ennemis à l'agonie. Excuse-moi s'il y a des moments où je ne verrai pas. Je ne venais pas dans tes lèvres. Alors. Once again. Je le dis très clairement. Bon, comme tu n'étais pas là sur les... Enfin, comme tu aussi, tu me le demandes. Enfin, comme toi aussi, tu me le dis. Je le dis très clairement. Je ne suis pas le centre du monde. Je sais qu'il y a des meilleurs streamers que moi sur le monde. Je sais que vous avez une montagne de choses à faire, qu'il y a plein de choses. Si vous voulez passer un peu de temps avec moi, ça me fera très plaisir. Mais ne vous excusez pas à chaque fois que vous venez me dire « Je suis désolé, je t'ai trompé. Je suis allé voir Squeezie en live. Ou je suis allé voir le joueur du grenier en live. » Fais pas fâché. Si j'avais le temps de les regarder, j'irais moi-même les regarder. Ces gens sont bons, ils sont meilleurs que moi. T'es beau délire. Je sais que je m'en sors pas trop mal en ce moment. Mais voilà, y a aucun problème. Ça me fait très plaisir, mon petit Darfou. Okay. Pas la peine de t'excuser. Vous avez tout... Tout le monde a des choses à faire ces derniers temps. Donc pour le coup, moi, je vais pas commencer à vous engueuler pour vous dire « Mais pourquoi est-ce que je t'ai pas vu ?» Il y en a un qui est repassé hier, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ça me fait plaisir de savoir qu'il était encore en vie. Moi, c'est surtout ça qui me fait plaisir. C'est de savoir que vous allez bien. Et que vous venez me voir parce que bah, ça vous intéresse. Donc il n'y a pas de souci, mon petit Darfou. Oh, alors, j'y pense. Excusez-moi quelques instants, je fais une petite interruption. Là, je viens d'entendre quelques bruits très importants. Mais excusez-moi. Faux bruit, excusez-moi, c'était un faux bruit, j'ai cru que, mais en réalité, ce n'était pas ça. Hop, 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 on relance, voilà. Nos soucis, mesdames et messieurs. Oula, attendez. Ah, mon casque qui fait des pirouettes acrobatiques et le câble qui devient de plus en plus difficile à tirer parce qu'il n'arrête pas de faire des nœuds et des re-nœuds. Voilà. Câble bien plus long. Comme ça, bien plus facile de l'utiliser. Voilà. Donc, nous disions, j'ai 7 points. Voyons les compétences à 4 points. Il n'y en a que 3. Mais il y en a quelques-unes déjà qui sont très intéressantes. Genre celle-là, les attaques réussies de Jacob amènent nettement plus rapidement les ennemis à l'agonie, ce qui me permettrait de ralentir les combats plus facilement. L'ennemi qui vous voit vous livrer à une exécution prennent peur, ce qui les prive de leur posture défensive, ce qui n'est pas si mal en soi, hein. Faut pas se mentir, c'est du potentiel dangereux.
Défense 1, réduit de tous les dégâts au corps à corps. Donc ça me serait d'une utilité. Ça, c'est la compétence que je vais prendre. Parce que celle-ci, elle est... Je suis pas sûr de la réussir à chaque fois. Alors que ça va me permettre de me défendre à coup sûr. Donc déjà, allez, on achète. Voilà, défense 1, obtenu. Ça, c'est réduit de tous les dégâts à distance subie. Ah là, ça me fait hésiter, là. Le gars, dans la vidéo, il les a tous butés, les pauvres. Ah, ça m'intéresse énormément, en fait. Plus que la mutilation. Ouais. Je vais la prendre, quand même. La mutilation m'a l'air d'être bien. Tu n'as pas une technique pour que je dors plus facilement, car je pars dormir toujours entre 1h et 6h du mat. Bah, si tu connais une idée, moi, je veux bien que tu me la donnes aussi, hein, parce que... C'est le cadet des soucis de beaucoup de mes contemporains, j'ai l'impression. On a du mal à dormir. Moi, j'ai du mal des fois à trouver le sommeil. C'est compliqué. Même moi, j'ai du mal à trouver le sommeil, donc je peux te le garantir, hein, c'est pas... Ça ne te... Ça... Oh, je passais level 6. Yes. Ouais, je suis désolé d'avoir fou, mais... moi-même, je n'ai pas la réponse à cette question. En mode discrétion, c'est heavy et presque invisible lorsqu'elle ne se déplace pas. Ses compétences de maître assassin lui permettront de se fondre dans le décor. Seuls les ennemis très proches demeurent capables de la détecter. Oh! Ça, c'est une capacité de Jacob uniquement! Ah, attendez, ça veut dire que... Bougez pas. Elle a pas accès à ça. Ok, d'accord. Donc, ouais, ça va être maintenant que le moment... Ça va être maintenant que la spécialisation va se développer. Les combats, il va vraiment falloir que ce soit que Jacob qui les fasse, parce que si j'arrive à réduire rapidement les ennemis à distance, à l'agonie et à me battre, c'est elle qui va être nécessaire. Bon, déjà, pareil pour elle, je lui achète ça. D'accord, donc Jacob, il a 3 compétences spécialisées, donc déjà une réduction de dégâts bien plus importante, des tirs rapides, ultra puissants, et la mutilation. Quant à elle, elle a la discrétion 3, la valeur de discrétion des vies est encore augmentée de 11, elle risque moins d'être détectée et ses assassinats sont presque silencieux. Ouais, c'est... D'accord. Pas overcracké comme compétence, absolument pas. Non. En mode discrétion, elle est presque invisible. Mais ça va être infernal, ça. Bon, je vais lui acheter ça parce que pour le coup, c'est une compétence qui lui est propre. Comme j'ai fait pareil pour son frère, je vais faire pareil pour elle. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, les assassinats, c'est pour elle. Et les combats, c'est pour le frangin. Donc ça tombe bien, maintenant il va falloir que je cumule les points pour acheter les derniers trucs qui me manquent. Hein. Oh là là, je vais avoir des choses à acheter. Hein. Oh là là, j'ai des compétences à prendre. Hein. Mon dieu, mes aïeux. Bon, surtout ça, je pense que ça va être les essentiels, ceci. Ajouter un segment supplémentaire de votre jauge de santé pour être à mon maximum. L'accélération de reconstitution de santé qui est nécessaire. Et les éliminations multiples reconstituent la santé selon le nombre d'ennemis tués. Ça va être les 2, 4... Voilà, les 12 prochains points, ils vont être dédiés là-dedans. Hein. Les 12 prochains points, là-dedans. Parce que ma vie. Et aussi peut-être un petit 2 là-dedans en plus. Mais ça, je le ferai peut-être après, à la limite. Parce que les points de vie... Je crois que la résistance, ça m'aiderait bien, en fait. Ouais, bon, de toute façon, j'ai tout acheté. Il n'y a pas de limite là-dessus. Ok. Alors, où qu'on va, qui qu'on fait on fait des meurtres. Ah oui, et des meurtres, c'est à la demoiselle de faire. C'est à la demoiselle. Puisque elle a clairement les yeux pour élucider les mystères. Et en compagnie d'Arthur Conan Doyle.
Alors, Mr. Doyle. Et on aurait dit un petit dragon Malfoy quand il était gosse, incroyable. La mort poursuit le colonel, déterminé quelle balle a atteint et tué le colonel en retraite. Voyons ça. Oula. This could be interesting. There's no shortage of firearms in this neighborhood. I suspect the solution will turn on geometry, timing, and human nature. There may be a penny dreadful in it. Look into it, won't you? Ok. Le lieu que je dois aller voir, la fabrique de munitions. Mes excuses. Je viens avec une personne qualifiée. Oula. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme ? Louis Presco, tué d'une seule balle dans la poitrine, qui a perforé le cœur et est ressorti dans le dos. Très bien. Oula. Il y a... Oulala. Il y a beaucoup de choses à regarder. Déjà... Ceci. Fabrique de munitions. Les projections indiquent la direction de la balle. Qu'est-ce que c'est que ça? Fabrication de munitions. Une plume blanche. Qu'est-ce que... Le drapeau du 11e régiment d'infanterie porte l'inscription Côte de l'Or, campagne d'Ashanti. Mais justement, avant d'interroger le suspect, je veux d'abord regarder l'intégralité de toutes les... Une balle hexagonale est logée exactement sous le nombre 12. L'horloge fonctionne toujours. Très bien. Trou laissé par une balle hexagonale. Bord ensanglanté. Ah, et deux tirs. Laquelle? Victime touchée. Caisse de munitions vide, portant les marques Prescott Munitions numéro 408. Tireur, trajectoire de la balle. Ah. Oh oh. Un homme ici. Non. Alors, Curtis, boutiquier. Prescott, dites-moi. Tim and me like to insult each other. I was a lieutenant under his command in Africa. I love the army. No one questions you when you wear a uniform. Anyways, every morning when he arrived, we'd call out and joke with each other. Yeah. Well. Prescott led a flanking sortie that went wrong. Lots of casualties. Some men called the colonel a coward, but it were really just bad luck. Anyway, he resigned. To make amends, he offered work at his factory whenever one of us left the army. Intéressant. Qui s'entendait bien avec ce personne, avec cette personne. Qui êtes-vous? Frédéric Aberline. Oh! Aberline! Mes excuses. Le tir. From what I can gather, Prescott was shot almost exactly at 12 o'clock noon. Ah. When Colonel Prescott retired from the army, he used his connections and started this munitions factory. He wanted the men that served with him to have work when they left the army. D'accord. Problème. Apparently they put the clock there while doing some repairs. It still runs, I notice. The young lads across the street were fooling with a pistol they'd found.
A bullet must have gone astray through the wooden fence. Hit Mr. Prescott smack in the chest. Bloody unlucky for all concerned. Je suis pas vraiment sûr. He was a good man, very honorable. I'm proud to have served under Colonel Prescott in the 11th Foot Gold Coast Africa. Prescott put that up in memory of the time he led a sortie across the Pra River to outflank Ashanti warriors. Things turned out badly that day. Horrific. We lost several of our comrades. Prescott wanted us to remember them. Bullet hole in the clock. That's a new one. It could have already been there when I arrived at noon. Or maybe it was the second shot I had. I was on my way here. Heard two shots I did, right at the stroke of noon. Curiouser. Well now, I didn't ask about this. I should go back and ask about this. Cible artisanale fabriquée par les orphelins. Ah. Je m'entends bien. Un sur cinq? Oh, attendez. Il semble qu'un petit objet lourd soit tombé ici. C'est un revolver. 2 sur 5. L'endroit où se tenaient les enfants pour tirer sur la cible. Trois sur cinq. Il me manque quelque chose. Attendez. Est-ce que ça viendrait pas de l'étage du dessus? Fusil Wentworth, le tout premier fusil de tireur d'élite possède une précision étonnante. Cet exemplaire sent la poudre, comme s'il avait fait feu le jour même. Une insigne réglementaire est gravée dans la crosse. 11e régiment d'infanterie Côte d'Or. I should return and find out about this. Oh. Intéressant, intrigant. Intrigant, il me manque des choses. J'ai trouvé un indice dans le grenier, mais... Il me manque des indices ici. Ah, attendez. Peut-être à l'arrière. Peut-être que j'inspecte de l'autre côté. Cours bière. Une grande flaque de bière. Il y a d'autres flaques dans la rue. Oh. Attendez. Je vais quand même regarder ça.
indique que la balle a quitté la cour. Où est-ce que ça nous mène tout ça ? Ah ah ! Tonneau de dépôt de tonneau vide. L'une des douves est percée d'un orifice rond. À l'intérieur se trouve une balle. Son calibre correspond au revolver de l'orphelin. Ha ha ! Intéressant. Qu'est-ce donc ? Dépôt de tonneau. Ah bah porte l'insigne du 11e régiment d'infanterie. Dépôt de tonneau, un oiseau de grande taille mort, partiellement plumé. Curiouser and curiouser. Oh. Traitement contre la trypanosomiasme. Trypanosomiasme. Nomiasme. Trypanosomiasme, une maladie propagée par la mouche tsetse en Afrique. Ah! Intéressant. D'accord. Et vous êtes... Monsieur Bonnet, conducteur de carriole. Prescott. I heard two loud bangs, but thought nothing of it. Later, I found a bullet hole in a barrel. Imagine that, a bullet hole. My lad Samuel might know more. He's around back, tossing trash in the river. Ah. The poor lad. Fell on my doorstep a few years ago. He's in a bad way, has some sort of malady. Rides in the back while I make deliveries. Hard worker, very determined. A malady? Je savais même pas que les Anglais pouvaient prononcer ce genre de mots. Ah, c'est français, ça, hein. Alors, Prescott. Just drop off beer. Don't pay much attention to people along the way. There was an hole in a barrel. I've got no explanation for that. That's for some sickness I picked up a while ago. Can't remember the name of it. Je crois que j'ai tous les indices, hein, si je me plante pas. Ah, rien ça. Ici, tous les indices, tous les suspects. Ici, tous les indices, tous les suspects. Et ici, j'ai pas fini de te parler, toi. I admit it. I sell stolen rifles and pistols. All very hush hush. Black market. I brought that gun back from Africa. I was a sniper fighting the Ashanti. I used that gun this morning for Prescott's challenge. It's the only Whitworth we have. I'd never sell it. I made that shot. Early this morning, Prescott challenged me to plug the 12 from my shot. I missed just slow. No one witnessed it. It was too early in the morning. Je vous accuse, monsieur Frédéric Haberlein. Aucun sens. Il y a deux possibilités que je vois en tête. Soit c'est le gars là-bas, dans la bière, mais je vois pas quel est le rapport avec ça. Soit c'est le gars de la boutique. Je vais tenter d'abord de suivre mon instinct premier. Je vais aller accuser le gars qui a... Le gars de la bière. Parce que clairement, il a fait partie du régiment. Mais il l'a pas annoncé la première fois, donc je pense...
Je pense que c'est lui. His goddamn cowardice in Africa got me best friends killed. He should have faced a firing squad. Yes! Mais tante. It's a miracle anyone survived, what with all those bullets whizzing about. Up to the clink with you. La mort poursuit le colonel. Un tireur d'élite voit ses camarades tomber lors d'une manœuvre qui tourne mal et décide de les venger. Ralenti par une maladie tropicale contractée en Côte de l'Or, le soldat Samuel Fry a passé des années à mûrir sa vengeance envers Louis Prescott. Le colonel, dont la lâcheté a, à ses yeux, coûté la vie de ses compagnons. Il s'est moqué de Prescott en plaçant une plume blanche, puis sur le coup de midi, a frappé. De nombreuses balles ont volé ce jour-là. L'une tirée du grenier de la boutique s'est logée dans l'horloge de la fabrique de Prescott. Une autre, sortie du revolver trouvé par des enfants, a terminé sa course dans un tonneau de bière. Et balle tirée par Samuel de l'arrière de la carriole a atteint Prescott au cœur. Henry Raymond. Et voilà, c'est une victoire. Et merde, j'ai oublié d'évaluer. La suite, donc on a fini cette histoire. Oh bah tiens, on est juste à côté d'un truc comme ça, on pourrait se faire un petit vol de cargaison juste pour le plaisir. Et après on ira voir Dickens et on finira par Marx. Et après, en fonction du temps qui nous restera, parce que ça fait déjà 49, en fonction du temps que ça va nous prendre ces deux missions là, on ira commencer à nettoyer la cité. The city. Yeah. Allez, petite cargaison, c'est parti. Ok. Ok, c'est un vol de cargaison en cours. Hop, on sort. Les chevaux sont en mode roulible là. Aïe aïe aïe. T'es sérieux? Allez, venez vous battre! Parce que on va pas s'en sortir sinon! Thank you.
Viens te battre. Mais... est-ce qu'on pourrait savoir d'où est-ce que ça vient, ces tirs de sniper? De retour. Eh bien, bon, toi là. Ah, bon sang. Ah, je suis exténué. Récupérer cette cargaison aura été compliqué, hein. Mais il y avait beaucoup trop de gens autour, c'est pas possible. Bon, par contre, clairement, après ça, je m'achète un nouveau flingue, hein, parce que c'est plus possible. C'est clairement impossible. Hop là, doucement, doucement. Voilà. Voilà. Petit Ned Wainwright, et voilà. Cargaison supplémentaire et donc un peu plus de ressources. Mais maintenant, tout de suite. Flingue. Il nous faut une meilleure arme. Et donc quelque chose de meilleur calibre. Nous sera bien supérieur. Parce qu'actuellement, on se balade avec un flingue clairement de... Voilà, on se trimballe avec ça. Hein. Donc, faut qu'on améliore. Précision, tir rapide, dégâts. Celui-là, il a tout, en fait. Il a la capacité, en plus, déjà. Plus de balles, donc ça nous améliore. Les dégâts et la vitesse sont bien. Précision en tir rapide, plus 1. Moins de dommages. Ouais, non, mais je vais faire ça, hein. Allez, on s'en équipe. Ah, mais je l'ai déjà! Oh, mais quel abruti! J'avais une arme de meilleure qualité et je l'utilisais pas! Je suis débile! Inventaire. Arme à feu. Tout de suite. On s'en équipe. Voilà. Enfin, un flingue de meilleure qualité. Ensuite, dans les armes. Je crois que j'ai récupéré encore du matériel. J'ai une carne épée Lord. Cri qui fait un peu plus moins de dégâts, un peu plus de dégâts de létalité et qui est clairement beaucoup plus destructeur. Ben je pense que je vais faire ça, mais je dois avoir le niveau 7 pour l'utiliser. J'ai pas le 7, je suis level 6 par contre. Je peux donc essayer de me le faire. Je pourrais essayer de me faire celui-ci. Koukri Ruby Emmett, le Koukri d'Henri, d'accord. Ah, c'est pas mal, les griffes de lion, ça c'est un niveau 7. J'ai déjà celui-là, ça me suffira bien. Je pense que je vais essayer de fabriquer celui-ci, si je peux le fabriquer. Parce que clairement, voilà. On va faire ça. Plus 5 dégâts, allez on le fabrique. Et on s'en équipe. Parce que lui, clairement, ça va être mon combattant guerrier. On en a besoin. Voilà. Le reste pour l'instant... on n'en a pas nécessairement besoin. Ok, on est bon là-dessus. Par contre, la sœurette. Je sais qu'elle, elle se bat. J'ai enfin compris le système de combat sur Unity et comment gagner plein d'argent. Oui, c'est... alors attendez, c'était assez facile de faire de gagner de l'argent, de gagner l'argent avec les coffres, mais t'as trouvé un autre moyen, toi, pour le coup? Canépée Maya. Non, il y avait meilleur. Canépée de Lord Pearson. Voilà, c'est ça que j'ai. Je pourrais prendre celle-ci. Ça change rien du tout. Juste la gueule. Canépée lion à l'obsidienne. On va éviter de dépenser de notre argent dans la fabrication. Donc on va s'équiper de cette arme. Très bien. Voilà. Gantelet d'assassin, on peut avoir mieux. On a clairement pour l'instant rien de mieux. Le reste c'est de la fabrication, mais... J'ai pas encore les plans. Niveau cap, j'ai obtenu des nouveaux trucs qui me donnent moins de défense, qui sont moins utiles. Donc clairement, on s'en fout. Ah, cap nuit tempête. Je l'aime beaucoup, oui. Avec les coffres, c'est ça? Plus 2. Ah. Cap prolétarienne. Elle est meilleure, celle-ci. Ouh, cap d'assassin légendaire. Niveau 9. Attends, enfin, celle-là. On va la fabriquer, celle-là. Cap prolétarienne. Ouais, j'ai des ressources pour. J'ai pas beaucoup d'argent, attendez. Ça, c'est la cape. Tenue, j'ai encore eu... Ah, j'ai obtenu cette tenue. J'ai obtenu cette tenue. J'ai obtenu cette tenue.
Et j'ai obtenu la tenue de défense. Ouais. Ouais, pour l'instant, on va garder la tenue qu'on avait, parce que la tenue qu'on a, elle est très bien. Ah, on a eu des... Oui, c'est vrai qu'on avait débloqué ça. On a possédé des couleurs nouvelles. Ça, c'est en débloquant des... En récupérant des fleurs. Alors, attends, parce qu'il y a ça pour elle, mais pour lui, il a quoi? Inventaire. Ceinture. J'ai oublié de regarder les ceintures, tiens, pour elle, là aussi. Ceinture d'expert, ceinture élégant. Ceinture de voleur, que j'ai déjà et que je m'en suis équipé. Ceinture d'assassin chic. Je dois la fabriquer, mais elle m'apporte rien de plus, donc pour l'instant, on le garde. Ceinture sylvestre. Oh, doit être fabriquée. Ceinture sanguinaire. Oh là là. Plus de défense, plus de discrétion. Ah, lui, il a des ceintures. D'accord. Et ça coûte combien, ça? 3120. J'ai juste ce qu'il faut pour créer les deux. Eh ben, allez. Fabriquer sans équiper. Donc, maintenant, j'ai une meilleure discrétion et une meilleure défense. Et pareil, on va fabriquer l'objet. Et on va donner la capte prolétariat. Tu peux faire des quests qui donnent entre 1500 et 3500 de monnaie. Où il y a une quest qui donne 25k de monnaie et un café noir. Où tu dois tout améliorer sauf les finitions. Et tu peux... Et un café, tu dois améliorer toutes les, sauf les finitions. Et tu peux avoir jusqu'à 30k de monnaie. 34k de monnaie. Je me rappelle pas de ça dans Unity. C'est assez spécifique. Je me rappelais même pas de ça pour le coup. J'ai obtenu la tenue d'Ezio. Tenue de chasseur, tenue élégante et tenue d'Edward. On change. Et tu vas prendre une nouvelle cape. Puisque tu as obtenu une nouvelle cape. La cape prolétarienne. Voilà, on s'en équipe. Clairement, qui va améliorer ma défense et ma discrétion. Voilà. Par contre, je suis pauvre. Il me reste combien de temps de jeu? 1h11. Ok. 1h11 et... J'avais dit qu'on irait donc justement aller s'occuper de ça. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc nous occuper de Monsieur Dickens. Et pour cela, je vais me télétransporter à Whitechapel. Monsieur Dickens, c'est aussi avec la demoiselle. Bizarrement, je sens que Marc, ça va être avec Jacob. Je sais pas pourquoi, mais... ça va pas être un homme qui va inspirer à Ivy. Bizarrement. Je me rappelais pas de ça, pour le coup, dans Assassin's Creed Unity. Je relis ton message, mais... qui me rapportait... Je pensais que je galérais surtout avec l'argent, en fait, dans Unity. Mais... Ah non, mais si. Je sais quel était mon problème avec Unity. Son problème, le problème, c'était que le système monétaire... tu pouvais gagner beaucoup d'argent, mais en fait, tu gagnais pas assez pour pouvoir acheter les matériels qui étaient les plus intéressants. Parce qu'il y avait énormément d'argent qui partait dans du matériel. Donc tu devais en fait te concentrer... Le truc dans Unity, c'est qu'il faut se concentrer que sur une seule tenue. Une tenue qui correspond à ton style de jeu. Si tu essaies d'acheter des tenues qui viennent... Enfin, si tu essaies d'acheter tout le matériel dans Unity, tu vas y passer 5 ans. Enfin, je dis 5 ans, c'est un truc au pif que je donne, mais tu y passes des années, en fait, à essayer d'acheter tout le matériel. T'es obligé de te concentrer sur une seule tenue, l'améliorer, et l'améliorer t'apporte généralement des bons bonus en fonction de ce que tu cherches. Moi, j'avais choisi la tenue de fantôme légendaire, pour le coup. La tenue de fantôme... je l'appelais le fantôme de l'opéra, mais je sais plus ce que c'était le nom exact. Et la tenue de fantôme. Que j'ai réussi à obtenir tous les enfin à chercher les missions qui étaient nécessaires pour finir le truc. Tu veux que j'essaie de trouver un système pour la prochaine, pour ton argent sur Syndicate? Non, ça va pour l'instant. Sur Syndicate, je me sors bien. Financièrement parlant, je trouve que les missions que je fais m'apportent suffisamment. Et puis, une fois que j'aurai fini, en plus, tu vois, une fois que j'aurai fini les 1h11 de boost d'XP. Moi je suis un bourrin, bah, courage à toi, hein. C'est volonté force le respect, moi je dis ça, je dis rien, c'est tout. Volonté force le respect. Moi j'ai pas eu assez de force pour pouvoir continuer Unity, avec tous les problèmes qu'il y avait dessus, ça m'a un peu refroidi de vouloir faire du plein. Par contre, à la différence, celui-ci m'intéresse énormément, à le vider complètement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent.
Ceci étant dit, non, actuellement, le système monétaire dans Syndicate, je trouve que pour l'instant, je m'en sors bien. Surtout que, comme je l'ai dit, dans 1h10, une fois que j'aurai terminé donc, le boost d'XP, je pourrai commencer enfin à faire des lives de mon côté. Enfin, des lives. À faire de l'exploration et du vidage de mon côté. Surtout que j'ai enfin acheté les cartes qui me permettent de repérer les coffres dans toute la ville. Là, je te montre, hein, pour le coup. Voilà. Ils sont tous marqués. Tous les petits coffres là, les machins, les trucs exploration, les bignous, les machins, je vais m'amuser à vider tout ça au long, large et en travers. Hein. J'ai acheté toutes les cartes. Hein. Il me reste aucune carte. Si, il me reste une seule carte, mais je sais plus pourquoi ce que c'était. C'était pas pour les coffres, c'était pour autre chose. Donc j'ai acheté toutes les cartes de la ville jusqu'à Westminster. Donc les trésors, moi, tu vas voir, je vais te les explorer, je vais te les bouffer. Voilà, tous, sans exception. Donc, allons d'abord parler à Monsieur Likens. YOLO! On va d'abord parler à Dickens avant de parler à Karl Marx. Il y a tellement de personnalités dans les... Non mais qu'est-ce que tu fais sur mon territoire, toi? Retourne chez toi, enfoiré. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Non mais ils se baladent comme si c'était encore à eux ici. Je vous jure. Ça, c'est Blighters. Non mais... 6 dans la même rue. 6 dans la punaise de même rue. Au bout d'un moment, hein. Ils cherchent la bagarre. Tente de reconquérir le territoire, ces saletos. Ces saletés. Casse-toi, merci. Après, je suis un bourrin quand je le veux. Mais je peux être très stratégique dans je peux être très stratégique, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de tenues qui font la santé et la discrétion. Si, la tenue légendaire, elle te donnait quand même pas mal de santé. La tenue légendaire de fantôme te donnait quand même un petit peu de santé et améliorait clairement ta discrétion. Ce qui, on va pas se mentir, était très appréciable. Oh, moi la best tenue, hein. De mon point de vue, pour le style de jeu discrétion santé, elle donnait franchement quelque chose d'intéressant, la tenue du fantôme légendaire. Hein. Regarde les stats, hein, je te jure, c'était des... moi, de mon point de vue, c'était intéressant. Après, il y a peut-être des tenues qui apportent plus de santé, certainement. Mais... Alors, quel fantôme est-ce qu'on va encore chasser cette fois? Ok, virez ça demain. Je t'en prie. Alors, monsieur Dickens, vous qui observez les fantômes, dites-moi, lettre morte, qu'est-ce que c'est que cette mission? Alors qu'il examine une voiture hantée, un assassin bien là reçoit une lettre d'une parfaite inconnue. Pardon? Lettre morte? You seem tired, friend. Everything all right? There's always too much work to do. Today's Ghost Club investigation involves a carriage. It's said to be covered with gold leaf, dazzling passers-by when the sun shines. Naturally, it's rumored to be haunted. Now let's see if we can find it. The Royal Mail coaches vanished when the post began to be transported by rail. Mm-hmm. Oh, I'd rather enjoy a sit-down. But duty calls. What? C'est un indice, d'accord. Je pouvais m'endormir là-dessus. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? That's curious. Lettre d'Amouille. Mon cher Fry, comme il me tarde d'être de nouveau dans vos bras. La solitude m'accable depuis notre dernière rencontre. Votre absence me plonge dans le désespoir. Je vous en supplie. Revenez-moi vite. J'ai hâte de vous voir et entendre votre voix. Ne tardez pas. J'attends votre venue et m'offrirai alors à vous. Cordiable. Votre animatrice est Elisabeth Evand. Alors, attends. Une question qui m'interloque. On parle de... What the... Eh ben, ça tombe bien! Allez,
Allez! 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 Vite! Dégagez de la route! Yes! Je m'en occupe, madame. Par rapport à l'anglais, la technique que tu m'as donnée, c'est que à des moments, ils articulent pas, donc tu as du mal à comprendre ce qu'ils disent. Oui, alors, ça dépend le film. Ça dépend le film et ça dépend l'acteur. Et ça dépend en fait ce que tu regardes. Il est clair qu'il y en a certains. Il est clair que chez certains, l'accent est très prononcé. C'est difficile de gérer les accents dès le début. C'est pour ça qu'il faut éviter absolument une grosse majorité des Canadiens. Oh, sainte mère! Et de deux. Allez, de une. Non, non, non. Allez, venez. Et... On laisse la demoiselle. Non, mais... Bien sûr. Patientez quelques instants. You have gone to a great deal of trouble for someone you don't even know. What is your name? Evie Fry. Voilà. Plus simple de les battre comme ça que de les battre sur le chariot. Hein. Clairement. Go on. Putain, elle habite loin, la demoiselle. Est-elle d'ailleurs? Moi j'étais venu pour une histoire de fantôme, pas pour sauver une demoiselle en détresse. Et donc je disais, il faut éviter les accents très prononcés, genre accent texan, genre accent canadien, entre guillemets, certains arrivent à être très gérables, et surtout les accents australiens. Alors cela, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut commencer d'abord à... Il faut en fait commencer à s'habituer à regarder plusieurs fois les mêmes films. Et les regarder justement en version française sous-titrée. Voilà. En sous-titré français. Ouais. Who are you? Where is she? Appelle à l'aide. Cher papa et maman, lorsque vous lirez ceci, je serai probablement mort. Je me refuse à épouser le marquis, car j'en ai quand j'en ai un autre. Je dois échapper à ce tyran cruel, mais je sais qu'il se lancera à ma poursuite. J'ai si peur. Je vous aime. Adieu. Votre fille, Elisabeth.
On a conduit une fantôme chez elle. Oi! You look as though you're just about to collapse. What on earth has happened? Just a dream. Or so I think. D'accord! L'entièreté de la mission était un rêve! C'est pas mal! Ah, j'aime beaucoup! Ouais, j'aime beaucoup cette mission! Ah, elle est très drôle! La conclusion, tu fais. Attends, on a conduit une fantôme chez elle? Est-ce que vous allez bien, Madame Fry? Curious, sir, and curious, sir. Ok. Maintenant, allons faire du communisme! Il nous faut maintenant apporter le communisme en Angleterre. Et puis, au passage, ça se fait pas tout de suite, hein. Ça prend du temps, hein, bien évidemment. Il faut faire ça régulièrement, pendant plusieurs mois, voire même des années. Même encore maintenant, j'ai des fois du mal à saisir certaines conversations en anglais, mais j'arrive très vite enfin, parce qu'il manque des mots de vocabulaire, mais j'arrive très vite à trouver le sens. Ce que j'ai oublié de te conseiller personnellement, alors, ça c'est moi parce que je me suis... Parce qu'en fait, je suis assez versé dans le milieu. Mais je sais pas si toi, ça t'intéresserait peut-être. Ce que je te recommande aussi, c'est de faire des jeux de rôle. Alors, pas des RPG sur ordinateur ou des trucs comme ça. Non, des vrais jeux de rôle avec papier, stylo, feuille de personnage, création pendant des heures, puis déconnade avec tes amis autour d'une pizza, avec un maître du jeu qui ne sait pas du tout ce qu'il fait et qui au final... pleure parce que vous avez réussi à déjouer son plan qu'il a mis des mois à concocter et qu'au final bah vous avez réussi en utilisant une bouteille de propane, un morceau de chiffon et du ketchup. Voilà, c'est clairement c'est merveilleux en fait. Bah, pourquoi? Parce que une grosse majorité des jeux de rôle sont anglais et malheureusement pas traduits complètement en français. Ce qui fait que si tu commences à t'intéresser au jeu de rôle et à vouloir développer ton personnage ou à développer des trucs ou à t'intéresser en tant que maître du jeu, ce que je te recommanderais personnellement, mais je ne conseille pas cette vie à tout le monde parce que c'est une vie de souffrance et de traumatisme particulièrement difficile à gérer. Presque 15 ans d'expérience, je peux vous garantir les gens, c'est une vie de traumatisme et de souffrance incommensurable. Mais c'est aussi des moments de pure extase parfois. C'est pour ces moments-là que je vis et que je suis devenu maître du jeu. Ils sont rares, mais dès qu'on les obtient après des années de mise en place, je peux vous garantir que c'est une récupération en soi. Bien, comme je le disais, voilà, si tu t'intéresses à ce genre de jeu, tu te rendras très vite compte que tes jeux de rôle sur lesquels tu t'intéresses, la grande majorité n'ont pas été des documents, enfin des add-ons n'ont pas été traduits en français et donc sont disponibles qu'en anglais. Et au final, bah, tu vas commencer à lire les bouquins en anglais, à faire des traductions, et donc à revoir certains mots que tu vas réutiliser. Certains, en plus, jeux de rôle, utilisent des mots très recherchés, donc... Je rêve où il a un accent allemand. Un accent russe à couper au couteau. Et des marques à semer la police londonienne. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, il est déjà là. Il est déjà poursuivi par les détracteurs du capitalisme, oh mon dieu! Listen to me. I have been ordered to keep your rallies off the streets. No, you must listen to me. The people in this city are in dire need of your assistance. Oh, uh-huh. You're Jacob Fry, are you not? And Miss Fry? We're at a disadvantage, sir. Karl Marx, much like you, I am an activist of sorts. You've got the look of a man who wants something. Indeed. You've done more for London citizens lately than any endeavor has accomplished in a decade. But those citizens were already well provided for. I challenge you both to help those who really need your assistance, the working people. An interesting challenge. We accept. Shouldn't we at least talk about these things for... Sod it. We accept. Ah! Pour le coup, c'était plus la demoiselle qui était intéressée par cette mission. Ah! I'm organizing a discreet meeting with some like-minded friends to discuss trades unions. Alas, the police seem to have noticed my activities. They've stuck to me like flies on shite.
Mm-hmm. Et donc ? In any case, I need you to help me get to the meeting without the interference of the police. Mm-hmm. Tuer les espions à l'aide des tonneaux suspendus. Localiser et tuer les espions. Oh. You see, there's one of their damn spies now. Et de 1. When I catch you, you'll be sorry. Are you lost? Not my problem. Go away! Surrender! I've never paid for anything before the life. There's a brave boy! Bon, tu viens? Aha! Et le mec, il est... Attends. Je viens de me rendre compte que... Merde. Voilà. Attendez. Oui. Après, même si je maîtrisais pas l'anglais, je commençais à faire des jeux de rôle, mais j'utilisais beaucoup Google Trad pour ça. Trop de flics! Moi, j'aime bien traducteur, c'est Deeple. Et il me sauve beaucoup en anglais. Eh bien, tant mieux. You know, I had similar problems with the police in Paris. Well, Paris and Brussels. And also, perhaps Cologne. Our next worthy ally awaits us in a nearby... Ah, attendez, parce que je me rends compte que je défonce un petit peu trop les gens, là, pour le coup. On va reprendre, monsieur... on va reprendre le point que tu liens. Onwards. No doubt the police already have agents stationed within. I'll wait here until the coast is clear. D'accord. Localiser l'espion. Où est-ce qu'on est là d'ailleurs? J'attends un coup de fil important, c'est pour ça que mon téléphone est en vibreur. Désolé si ça vibre un peu partout. Dehors pour attirer l'attention. Book.
finished him. Don't let him! Looks like there's been a kid in. Maybe two. Bonk. Bonk. Allez, reste couché. Merci, messieurs. Vous avez été fort sympathiques. Et toi, tu manges avant que tu tournes ou après? Eh bien, généralement, j'essaie de manger après. Mais on va dire qu'en ce moment, c'est compliqué. J'ai eu... un mois difficile pour la gestion alimentaire. Vous êtes sérieux? Il est en train de faire une... Donc suivre Karl Marx juste à sa réunion. Réunion d'activistes. La classe ouvrière. Only when workers are able to assemble freely and in strength will we be able to achieve the reforms we most assuredly deserve. Might I trouble you to stay nearby until the meeting is over? I fear we may yet meet with some mischief. Je peux déjà voir les ennuis arriver. It seems the movement is ever doomed to be betrayed from within. Will you fetch the gentleman back here? I would look him in the eye and ask why he went back on his brethren. Pas de soucis, mon ami. La question est de savoir, c'est est-ce qu'il se fait littéralement transporter par ses... par des gardes du corps? Oh, ça va être casse-couille, ça. Merde. Ah, scheisse. Allez, on est reparti. Ah merde, je les ai tués. Je voulais pas. Je les ai tués, merde. Tu connais le livre de Horia? Le livre Le Horla de Guy de Maupassant? Ah, ça me dit quelque chose de mes années d'études en littéraire. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais vu que mes années littéraires, elles datent de presque 7 ans... bientôt 6-7 ans... Je vais pas te mentir que ça commence à me... À être assez loin, voyez-vous. Je peux faire ça. Voilà. Non. Don't call for help. Don't try. Pardon, monsieur. Je fais passer avec un traître, laissez tomber. Et voilà. Monsieur descend des marches. Has the party not taken care of you? Governor at the mill, see? Any man what joins a union will be put out of work come sun up. How long will the party feed my family for?
If we do not stand together, we are lost. My heart is broken, Simon. Please go. I thank you, my friend. I hope you will continue to aid the struggle when the opportunity presents itself. Eh bien, il vit son titre, littéralement. Hein? Petit père des peuples. Enfin, pas vraiment, mais ouais. Je suis en train de le lire en français. Et en fait, c'est une personne, quand elle interroge chez elle, il a une entité qui la possède et il devient fou. Il prend les vacances, tout va bien, mais après, tout redevient comme avant. Je ne saurais te dire, là, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais... Mais je ne saurais le dire. Bon, eh bien on a deux missions de Marx qui nous attendent, une dans la City, une dans Southwark. Donc ça va encore demander du boulot, tout ça. Ce que je vais faire... j'avais dit justement qu'on essaierait d'aller explorer un petit peu tout ça. C'est quoi comme mission, celle-ci? Chambre avec vue. La dame à la lanterne. Nouvelles explosives. Parce que là, ça fait quoi? Il me reste une heure et demie. Est-ce que j'ai débloqué de nouveaux trucs dans la base de données? Oui. Une personne, un lieu et deux divers. On va faire ça rapidement. Une personne alliée. Karl Marx! Ah. Je reviens, je vais manger. Eh bien, bon appétit. Welcome back, my dear listeners. It's me, the Englishman. And I'm here to talk about the father of the communism. I'm talking about the master of the population, of the working class. Those who have understand the conceptualization of the world it indeed is and will become in the future. This man is Karl Marx. Date of birth, May the 5th. May the 4th guide you. Ah, ça aurait été tellement parfait. May the 4th. Non. May the 5th. 1818. Né à Trèves, ville située dans ce qui était à l'époque le royaume de Prusse, Karl Marx fut un philosophe, économiste, sociologue, journaliste et socialiste révolutionnaire. Marx a suivi des études universitaires à Bonn, à Bonn, en Berlin. Par la suite, il a écrit pour un journal radical de Cologne avant d'entamer son œuvre sur la théorie de la conception matérialiste de l'histoire. En 1843, il s'est installé à Paris où il a continué d'écrire pour d'autres publications radicales. C'est là qu'il a rencontré Friedrich Engels, qui devint un ami et un fréquent collaborateur. Chassé de Paris, sa famille et lui s'établirent à London, in London, in 1849, où il poursuivit ses recherches et sur l'activité sociale et économique. Si tu cherches un soporifique qui ne provoque pas l'accoutumance, Marx a publié de nombreux livres, les plus notables étant le Manifeste du Parti communiste, 1848, et Le Capital, 1867-1910. Dont partiellement à titre posthume, dont on peut affirmer qu'il a établi les fondations de notre appréhension des relations entre travail et capital. Mais sa plus grande contribution fut peut-être d'avoir amené des millions de jeunes gens à porter des jeans serrés et à se laisser pousser une barbe ni à miettes et à pester sans discontinuer contre la machine capitaliste en buvant de café artisanal dans des déacoudes dans des quartiers où même les chars de gouttière refusent de traîner. Interesting. Une petite anecdote de Dark Lyrion. J'ai vu une pièce de théâtre qui avait adapté Karl Marx, Le Capital. C'était pas du tout soporifique, c'était un truc totalement charbé. C'était génial. En plus, c'est une pièce non conventionnelle dans la manière dont elle était présentée, puisque nous n'étions pas dans une salle avec le public face à la scène. Nous étions en deux scènes, l'une en face de l'autre. Enfin, deux
audiences, je vous dirais ça, enfin, deux audiences. Non. J'ai oublié le mot. Bon, deux bancs à public, enfin deux éléments de public, et la scène au milieu. C'était génial. C'était l'une des meilleures pièces de théâtre que j'avais vues. J'étais allé la voir pendant mes études à l'université en littéraire. Non, enfin, pas en littéraire, justement, en art du spectacle. J'ai passé un an là-bas. Et j'étais allé voir cette pièce de théâtre et c'était vraiment très intéressant. Sur ce, continue. The place, city, the Viaduc d'Holborn. Le Viaduc d'Holborn fut construit in 1869, nice year, afin d'enjamber Fleet River. Et tout fut mis en œuvre pour qu'il ne soit pas seulement une infrastructure utile, mais aussi une œuvre d'art urbaine. Il fut peint en rouge et or et orné de statues. Les quatre statues de femmes situées aux extrémités représentent l'agriculture, le commerce, la science et les beaux-arts. Quand le viaduc fut officiellement dévoilé lors de son inauguration par la reine Victoria en novembre 1869, il impressionna toutes les classes de la société et fut considéré comme une prouesse du génie civil. On dit que ce fut une belle journée, sans le moindre nuage. J'ai ajouté ce petit couplet météo parce que c'est quand même d'un viaduc qu'il est question. Alors je me suis dit que tu risquais de décrocher. D'accord. Ici. Événements et objets. Guerre anglo-ashanti. What the hell is that? Ah, c'était le truc... D'accord. On appelle ainsi une série de guerres coloniales menées par l'Empire britannique en Côte de l'Or, région qui correspond largement au Ghana actuel. Oh, my apologies. L'opposition entre Ashanti et l'Empire britannique, allié au Fanti, dégénéra quatre fois au conflit entre 1823 et 1896. Le territoire Ashanti fut finalement annexé au reste de la Côte de l'Or en tant que colonie de la couronne. Et les objets, le fusil Whiteworth. Premier fusil de précision à longue portée, le Whiteworth, fut conçu par l'inventeur britannique Sir Joseph Whiteworth en 1854. Sir Joseph s'était mis en tête de créer un fusil capable à la fois d'imprimer un mouvement de rotation plus prononcé au projectile afin d'améliorer la précision et de réduire les frottements pour accroître la portée. Son innovation consista à fabriquer un canon hexagonal à arme hélicoïdale expédiant des balles hexagonales. L'hélice du canon générait la rotation du projectile. Et la forme hexagonale réduisait le frottement. Le résultat était une arme incroyablement précise. La reine Victoria tira à Whiteworth, à distance en actionnant la queue de détente avec une ficelle, lors de la première réunion de la British National Rifle Association en 1860. Whiteworth fut principalement utilisé par les troupes confédérées lors de la guerre de sécession et par l'armée française. Ah, c'est bien nous les françaises. Tirer à distance. Voilà. Ah oui, ça devient de plus en plus court. It was a little short, but what did you expect? In due time... My work will end, and I will return to my doom in the head of Dark Elysian, where I will be damned to the darkness of his mind. Have a good night, and see you tomorrow. It was the Englishman. Il me reste donc pas mal de choses, et j'ai gagné encore des points, 4 points. Ce qui clairement m'intéresse. Allez, on achète ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Les PV à mon maximum. Voilà. Réduction de dégâts et PV. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Les points de vie à mon max. Et la réduction de dégâts à distance. Voilà, déjà, je vais être un peu plus résistant à tout ce bordel. Déjà bien. Il me reste combien de temps maintenant? Il me reste 30 minutes. 30 minutes à jouer. 30 minutes pour finir, pour faire des missions et me faire un petit peu de l'expérience. Hmm. 450.
450. Vous savez quoi, je vais me télétransporter là-dedans. Oui. Télétransporter dans le train, je vais faire une mission avec la donzelle. Parce que maintenant je suis level 6. Bien modélisé hein, ces personnages. Ce jeu est bien fait graphiquement, c'est une tuerie. Seems a letter has come for Jacob. Encore cette foutue lettre. 1100. Alors, on pourrait faire la mission justement là-dessus, mais je suis plutôt intéressé par la mission. Ah, j'ai pas. Mais elle disait la distance de la cargaison. Oui, mais je veux bien, mais allez, ravis-toi et moi de tout. Je manque de tout. Il me reste une carte au trésor à acheter à 4250. C'est voilà, les guides touristiques de Londres pour avoir tous les emplacements et les indications d'emplacement des illustrations historiques dans les parties explorées de Londres. Voilà, c'est ça. Voilà. Attendez. Ah ah! Encore une boîte! On a toujours pas, on est toujours pas allé voir d'ailleurs le fameux. Attends, c'est mon train ça? Il est où mon train? Ah ouais, c'est mon train. Ou non, c'est un autre train. Voilà, donc pour le coup. Est-ce que ça c'est une mission à moi ça? Je suis intrigué, voyons ça. Parce que j'aimerais faire les missions de Evie en fait. J'ai pas envie de faire les missions de Jacob tout de suite. J'ai envie de faire les missions de Evie. La petite Evie. Alors, quel genre de mission est-ce là? La dame à la lanterne. Evie sera à Lambeth après l'assassinat du docteur Elioston par Jacob. Oh. Eh bien, faisons-la. On va rattraper ce que les conneries du frère. Oula. Miss Fry, what a pleasant surprise. Hello, Clara. I was just going to check on Lambeth since the asylum's closing. What brings you here? The children in my care have been falling ill. Our usual tonics aren't working. I came to. Are you certain you're feeling all right? Of course, I am, Miss. Clara. Oh God. Yong. Is there a yong. Doctor nearby? Bring her inside. Are you? Miss, please tell me that you are this woman. Yes, she said the others took tonic, but it didn't work. I should think not. Ever since Elliotson was murdered, the district has been overrun with counterfeit tonics. This one needs proper care. But without the appropriate medication, she and the others will quickly decline. What do you need?
I need supplies. Plenty of them. And medicine. Some of the less common ingredients are being stolen and sold at auction. I'd be happy to help. And you are? Here's the list. Miss Fry. Evie Fry. And you? I'm Miss Nightingale. Yes! How do you do? And Florence Nightingale! We don't have much time. Ah! Tellement de figures incroyables! Je vais manger. Ah, tellement de figures incroyables! Incroyables! Nightingale! Oh bordel! Ah! 400 mètres! Hop! Come on! God, God, God! Come on! Here now. Localiser le pharmacien. Je suppose que c'est toi mon carrosse. Mais dites vite. Dépêche, pour l'instant on est encore dans les temps, 5 minutes. Vous permettez. Ah. I can't thank you enough. These supplies are meant for Miss Nightingale. I'm here to collect them. And they're already loaded on the cart. Please take them. Giddy up! You mean Yes. Of course it is. Évidemment. Some of those items are fragile. Zarma, I hate you. You could have put the fuck. King Low. En moins d'une minute. Du tout ce que je voulais faire, je pensais que je pouvais remonter sur le toit. Bon bah c'est raté pour la minute hein. Ah. Come on.
Et voilà, moins d'une minute, c'est raté, c'est dommage. Pardon le chariot. Voilà, vite, il me reste 3 minutes. Not a moment too soon. I hope you brought the medication I requested. How is she? She will recover. Pablo and Ellie, the children. Thanks to you, we can distribute authentic medicine now. But is that a permanent solution? I will petition to have regulations put in place. Lambeth is in your debt. It takes a long time to change things. But I'm not going anywhere, Miss Fry. Et bien voilà. Nightingale. Une femme de son époque qui a changé le cours de la médecine. Révolutionné la médecine, même, devrais-je dire. Elle a révolutionné la médecine. Bon. Bientôt atteint les 2 heures. Mais il nous reste encore 20 minutes. 20 minutes pour faire cette mission. Ce que donc nous allons faire. Nouvelle explosive, ça je pense que c'est Jacob pour le coup. Ouais non, je pense que ça c'est l'émission pour ça c'est clairement l'émission pour le frangin. Donc alors attendez, on va prendre qu'est-ce qui est le plus proche. Je pense ce truc là. On se télétransporte et on va aller jusqu'à la dernière mission pour gagner le maximum de points d'expérience. Et puis après, ce sera tout bon. Même s'il reste 10 minutes, je pense qu'on pourra arrêter le live là-dessus. C'est-à-dire qu'on a gagné une nouvelle personne. Un nouveau personnage est apparu dans notre bibliothèque, j'en suis sûr. Parce que Nightingale, c'était quelqu'un. Florence Nightingale, c'était quelqu'un. Vraiment. C'est autant... Dans le domaine médical, elle a fait... Les femmes qui ont fait parler d'elle dans le domaine de la médecine, elles sont pas nombreuses. Et Florence Nightingale reste quand même l'une des figures les plus majeures de la médecine. Attendez, je suis parti dans le mauvais sens. Je pars dans le mauvais sens. Partez pas du tout dans la bonne direction. Blouf. Oh, c'est le truc de ce territoire. Je m'en fous, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Arrêtez de me poursuivre. Ça ne sert à rien. Je ne m'occupe pas de vous, messieurs. Je ne suis pas là pour vous, pour m'occuper de votre personne. Pour le moment, je ne suis clairement... Pardon, petit. Je ne suis là que pour les 19 minutes 40 secondes qui restent. Dans le but ultime de développer, d'avancer un peu plus la recherche du suaire. Pour faire l'émission Miss Fry. Et puis, je pense que demain, on commencera l'exploration et le nettoyage de la city. J'avais dit qu'on le ferait aujourd'hui, mais pour le coup,
les missions secondaires et le temps qui me restait m'ont permis de me rendre compte que pour l'instant, je ne suis pas encore maître de ces lieux. Je pense que voilà, demain on se concentrera sur du nettoyage. Et on terminera par la mission de Jacob. Enfin, de Jacob. Oula, il y a du people ici. Hein. Hop. Alors. Grâce aux indices d'Ivy, Ivy se rapproche du fragment d'Eden. Ah ah! Exactement ce que je cherchais. In an effort to ensure so great attraction. So the hints you found in the Kenway house lead to the monument. What a wonderful use of your time. Follow me around asking obvious questions. Well, since Henry isn't here, I thought you might enjoy the company. I don't require any company, and Mr. Green is following up on some leads of his own. Oh yes, Mr. Green, that's a fascinating idea. Oh please, Mr. Green, come and take a look at this book and stand oh so close to me, Mr. Green. I do not. Well, perhaps you have nothing better to do, but I'm busy protecting the assassins. Are you really? What was it Father used to say? Don't allow personal feelings to compromise the mission. Precisely. Anyway, I'm off. If I find any more wild geese for you to chase, I'll be in touch. Be ever more pleasant for your absence. You are an ass. I have to say, brother, you are an ass. Oh shit. Of course. It's a freaking. You are being very ungrateful. Do you really want to keep living in fire traps? Well, we cannot continue this until you calm yourself. Ok, je vois pas d'autre approche plus simple que celle-ci, donc. In an effort to ensure so great a tragedy will never happen again, I would like to thank our esteemed guests, Premier Disraeli, members of Parliament and others for being here today. Our proposed legislation will ensure that housing for the impoverished need not be a fire hazard. Right, I see you there. I don't want any trouble out of here. We have heard your concerns. There is no need for shouting. Please calm down. Who the fuck is that girl? Too many today live a little better than hovels. In crowded conditions near open flame. Will you please stop shouting? You are only being rude out of your home if it is unsafe. Please show some respect for our guests. Our new proposal will ensure that these What? En train de la semer du monument. You are being very ungrateful. Do you really want to keep living in fire traps? Well, we cannot continue this until you calm yourself. Ok. Alors. Hop. Ça
ça te sauve un temps fou, ce grappin. This looks familiar. C'est une mission facile, celle-là. Demande quel était cet événement qui était en train de se dérouler sous ce monument. YOLO! Je me dépêche, il me reste que 12 minutes pour finir cette mission. Putain, elle a fait un saut de cabri. Hop. Hop là. On est Spider-Man, mais Spider-Man des années du 19e. Hein. Même Spider-Woman. Hein. Allez, il me reste 12 minutes. Vite. Enfin, 11 minutes 50. Bientôt. Du parcours, rien à voir avec Assassin's Creed Unity, c'est incroyable. Ils sont vraiment improve sur ça, sur ce point de vue là. Pour le mieux, hein. Pour le mieux. Par rapport à Assassin's Creed Unity, avec la tyrolienne, ça te fait gagner un temps fou. Et ils ont bien calculé leur truc, franchement, il y a tout ce qu'il faut, hein. Trouver le secret de la cathédrale de Saint-Paul. Résoudre l'énigme de Saint-Paul. Oh. Oh merde. Oh non. Faire pivoter un rouage, appuyer sur clic gauche ou clic droit. Merde, non.
Non, il y a un truc qui va pas. Non. Ah! Voilà. Holy shift. It's in the very top. 7 minutes. Yes, si, parfait. Oh, c'est merveilleux. Yes. Non, ça passera pas. J'en profite, excusez-moi. Vu qu'on va de toute façon explorer la zone prochainement, gagnons du temps. Vite par contre. Vite. To the vault and the shroud. Good day, Miss Fry. What the? I'll take that. You want shroud to cement your own power. But what if you cannot control it? And why do you want the shroud? Merely to keep the Templars from having it. How like an assassin. To hold the power of eternal life, and yet be too afraid to use it. Eternal life? Is that what you think the Shroud offers? What I think is no longer your concern. You freaking pussy! That's rude. Yes, I know, but you are not worth my time! Freaky little sissy! Ha Templars? Whoa! Coming with me? I have other plans. You've made a... Damn it! Fuck! Grave mistake! Why? Why didn't you try... to kill her? Seriously, why? No, sérieusement,
Pourquoi elle l'a pas tué? C'était clairement le moment, c'était là, c'était... Tu la butes? Là, on n'en parle plus. Ah, c'est dommage. Ah non, moi, je suis déçu. Ah, je suis déçu. Ah non, moi, je suis déçu, je mets moyen. Parce que la petite course poursuite, j'aime bien. Enfin, le petit chasse au trésor, j'ai beaucoup aimé. Mais la fin, non. Ah non. Ah non. Ah non. Non, 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 mais je suis pas d'accord. C'est... Non. Non, non, non. Non, mais c'est pas... Non, mais Evelyne. Enfin, Evie. Evie. C'est... Non. Je veux dire, en plus, tu vois, elle est arrivée jusqu'ici, donc je suis sûr que, tu vois, elle avait d'autres plans de sortie pour pouvoir s'échapper si elle tombait. Sincèrement. Non, mais Evie. 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 Ma grande. Ah, il faut que tu te ressaisisses. C'est pas sérieux, tout ça. Bon. Bon, bah, vous te faites pardonner, tu vas nous faire un petit plongeon... Un petit plongeon de la mortadelle. Voilà, petit saut de la foi. Pour terminer ce live en beauté! Voilà, et tu restes caché jusqu'à ce que tu aies réfléchi sur tes actions. Voilà! Eh bien, ce sera tout pour moi ce soir. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, 2h10, et je commence aussi à avoir. La fatigue qui commence à s'installer. J'ai pu retrouver un petit peu mon énergie au fur et à mesure parce que j'ai vu des choses qui étaient très 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 intéressantes aujourd'hui, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ce qu'on fera donc pour la prochaine fois, je vous l'ai dit, là pour le coup il ne reste que 2 minutes d'XP, donc on a gagné un petit peu d'XP, mais voilà, pas sans plus ni moins. Ce que nous ferons donc pour la prochaine fois, c'est explorer la city. Par contre, demain, il est fort probable que je fasse un live très tard. C'est-à-dire que je commencerai pas à 18h pour finir à 20h, vu que demain je termine à 19h, mon boulot. Donc le temps que je rentre chez moi, le live commencera certainement à 20h, et se terminera peut-être à 22h, 23h. On verra, en fonction de mon état de fatigue. Voilà. Enfin, peut-être 20h30 même, comptez plutôt 20h30 que 20h, parce que le temps que j'arrive, que je me pose, je suis même pas sûr de démarrer à 20h pile. Voilà, ce sera. Voilà, donc la prochaine fois nous essaierons de vider la city de Assassin's Creed, Syndicate. Dessous, ces mécréants blighters qui ont pris le contrôle de la capitale de la reine Elisabeth. Ah, the queen. Non, c'est Victoria. Victoria ou Elisabeth? Je crois que c'est... Non, je dis n'importe quoi. Je crois qu'actuellement, c'est la reine Victoria. Voilà. En vous souhaitant, mesdames et messieurs, une fort bonne soirée, en remerciant encore une fois Darfou. Darfou qui est venu, qui a participé, qui a été présent. Je le remercie beaucoup, je remercie aussi toutes les personnes qui regardent ces vidéos après leur visionnage, qui les regardent sur YouTube, qui les regardent sur Twitch. Ça me fait un très grand plaisir de voir que j'arrive quand même malgré tout, après presque bientôt un an, à vous intéresser, à vous passionner. Rappelez-vous que les lives seront postés sur YouTube pour les retrouver, pour les revoir et revoir et re-revoir en long, en large, en travers et suivre l'entièreté de mon épopée sur Assassin's Creed. Tout est sur YouTube, vous ne pouvez rien manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors après, il faut que je vous précise qu'au début, il y a quelques lives où vous ne m'entendrez pas du tout. Il y a des morceaux, il y a des moments où il y a des lives où mon micro, je l'ai oublié. Attends, c'est mes débuts, il faut bien comprendre qu'il y a des erreurs. Il y en a pas mal. Il y en a plein. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce live en ma compagnie. Je vous souhaite à tous une fort bonne soirée et je vous dis à demain soir. C'était Dark Elion pour la chaîne Madness Productions. Bon appétit, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire cette phrase à la fin. Je n'avais pas d'idée. Je n'avais pas d'idée. C'est tout. Générique.